Bonjour Justine. Ah. Bonjour Paul. Je passe encore l'improviste, tu m'en veux pas? Non, qu'est-ce que tu veux? Oh bah rien de spécial. Tiens, je t'ai encore apporté des croissants. Ah, merci. Tu veux entrer? Ouais, je t'es sûr que je te dérange pas? Non, vas-y. Oh là. Regarde-moi toi. Ça a pas l'air d'aller. Fais voir. Je me trompe peut-être, mais on dirait que t'es en train de pleurer, toi. Non, j'ai une allergie. Je te fais un café? Une allergie, oui. Ouais. Oui, je veux bien, oui. Installe-toi. Ouais, merci. Alors, quoi de neuf? Bah, rien, figure-toi. Tu sais que je suis très inquiet, j'ai toujours pas de nouvelles d'Annette. Commence à me manquer de plus en plus, hein. Terriblement, même. T'inquiète, pourquoi? Bah écoute, j'ai essayé de la joindre plusieurs fois chez ses parents, y a rien à faire, elle veut toujours pas me parler. Mais t'inquiète pas, ça va lui passer. Eh, tu dis ça, ça fait plusieurs jours que tu me dis ça, mais le problème c'est que ça passe toujours pas. Moi je sais pas quoi faire. Non franchement, tu trouves pas ça inquiétant? Faut la comprendre aussi, Paul. Après tout... Merci. C'est toi qui es parti. Bah oui, je sais, mais... T'as de ses nouvelles, toi? Oui. Je voulais pas que je te le dise, mais elle m'a appelé hier soir, voilà. Et alors? Alors, rien. Hein? Alors, mais elle va bien, tout va bien, c'est tout. Non, rien du tout? Elle profite de ses vacances. Oh non, c'est pas possible, j'en étais sûre. Quoi? Bah, elle profite de ses vacances, mais c'est évident, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Paul, je pense franchement que si Annette avait trouvé quelqu'un d'autre, tu vois, elle me l'aurait dit. Ouais, et tu me le dirais, toi? Non. Ah, ouais, voilà. De toute façon, je peux faire confiance à personne, alors. Annette, c'est mon amie, alors t'as pas à être au courant de tous nos petits secrets. Maintenant, quand je te dis que t'as pas à t'inquiéter, tu peux me faire confiance, d'accord? De toute façon, j'ai pas le choix, alors. Merci. Je disais pas ça pour ça, excuse-moi, Justine. Elle t'a posé des questions sur moi? Tiens, ton café. Oui, merci. Mais tu me réponds toujours pas. Écoute, Paul, sans me commander... J'aimerais franchement qu'on parle d'autre chose. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je sature. Voilà, je sature. Tu vois, toutes ces histoires de couple, eh bien, c'est vraiment... C'est pas le moment pour moi. Non, Justine, je suis désolée, je voulais pas... Non, c'est pour rien, mais me demande pas de te plaindre et de te rassurer. J'ai assez de problèmes comme ça. Bah, dis-moi ce qui va pas. Mais rien, sauf que, bah, je suis seule et puis... Ah, c'est Jérôme, c'est ça? C'est à cause de Jérôme? Non. Non, je pleure sur moi, sur mon sort, comme une idiote. Bah, c'est Anthony, alors? Non, c'est sûrement pas Anthony. Anthony, il vit sa vie avec Blanche, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, d'accord? Ok, n'en parlons plus. Ouais, je préfère. Bon, et puis... En ce qui concerne Annette, t'inquiète pas, elle t'aime, et voilà. Merci, Justine. Mais toi, t'es sûre que tu veux vraiment pas te confier? Écoute, non. Et puis ça va déjà mieux. Bon bah ça va aller là, Anthony, tu vas l'asphyxier. Mais de quoi je me mêle là, hein? Tiens. Franchement, merci. Ce soir, mon amour. Ouais, ce soir. Bon, passez une bonne journée, vous deux. Hein? Toi aussi, merci. Salut. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Daniel! Il m'a fait peur, je l'ai pas reconnu, je suis désolée. Anthony, viens m'aider. Faites attention, hein, ça a pas l'air d'aller du tout, là. Ah, sans blague. Si, ça va. Tu parles si ça va. Attention. Allez, sur le canapé. Mais non, mais c'est bon, laissez-moi, ça va. Allez, tiens, assieds-toi là. Attends, allonge-le, carrément. Ouais, je crois que... Assieds-toi à l'aise. Ça va aller, là? Faut que j'y aille, moi. Ouais, t'inquiète pas, on s'occupe de tout, vas-y. Je vais lui donner du café, là, ça va mieux. Daniel, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça va, tout va bien, ça va. Tiens, donne-lui ça. Tiens, Daniel, tu vas prendre ça. Moi, ça te fera du bien. Ça fait longtemps que t'es là? Merci. Ouais, je sais plus, moi. Hier, il faisait nuit, il était tard, je me suis endormi, je voulais pas vous réveiller. Et il sent l'alcool ou je rêve, là? Mais non, tu rêves pas, il sent vraiment l'alcool, là, ouais. Ouais. Dis-moi, Daniel... Qu'est-ce qui te prend, là, de te mettre dans les états pareils, hein? Quel état, quoi? Quel état? Bah, tu t'es vu, franchement? Bah,
veux dire, depuis que Sandra m'a quitté, là... Ah, ok, ouais. D'accord. Ouais, et tu viens d'où, comme ça? Je sais pas, écoute, j'ai un peu trop bu hier, me pose pas trop de questions, j'ai mal au crâne. Bon, attends, je t'apporte une aspirine, ça va aller mieux. Ça fait longtemps que tu mènes cette vie-là, ou quoi? Tu sais, je vais par-ci, par-là, en ce moment, je... Je me pose plus trop de questions, tu vois. Ouais, ok. Bon, bah écoute, on va te faire prendre une bonne douche, là, ça va te faire du bien. Ouais. Allez. Une douche? Mais non, attends, je vais pas vous déranger. Allez, écoute, arrête, allez, c'est bon. Puis aussi, tu vas te raser, parce que là, vraiment, c'est un mauvais genre, hein. Ah bon? Ouais, plutôt, ouais. Bon, attends, bois ça avant, ça va te faire du bien. Tiens. Vas-y. Voilà. Ouais, c'est bon. Ça va? Ah, oula. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça va pas là. Oh, dans la salle de bain. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ça tourne là, les gars. Oh là, parce qu'on peut, écoute. Attends, attends. On y va à deux parce qu'à trois, on rentre pas là-dedans. Je m'occupe, t'inquiète pas. C'est la première fois que je le vois comme ça. Je crois que c'était terminé, moi, cette histoire avec Sandra. Bah, derrière ses airs de dur à cuire, tu sais, et rien de sensible. Hein. On dirait que c'est pas évident comme situation. Bon, il faut qu'on s'en occupe, hein. C'est pas possible. T'inquiète pas, on va s'en occuper. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ne peut plus durer, hein. Faut lui parler. Oh, toi, tu lui parles? T'es plus doué que moi. Pourquoi moi? Moi, j'arrive jamais à trouver le mot devant lui. Il m'impressionne. Avec son air sévère, comme ça. Je sens qu'il va nous manger toute crue, moi. Je craque, hein. Faut qu'on fasse quelque chose. Oh, oui. Tiens, voilà ton café. Merci. Les filles, qu'est-ce qui se passe? Ça a pas l'air d'aller ce matin. Oh, il y a du quoi, hein. On en a jusqu'à là, hein. Bah, de quoi? De Monsieur Alfredo. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Tu devines pas? On va t'expliquer. Tu vois le travail qu'on fait? Oui, je vois, ouais. Tu vois le mal qu'on se donne? Oui, oui. Mais avec tout ça, Monsieur Alfredo n'est toujours pas content. De toute façon, il n'est jamais content. Mais là, vraiment, il a dépassé les limites, hein. On en a jusqu'à là, hein. Exactement, hein. Trop de travail, oui. Trop d'heures, trop de fatigue. Pour pas grand-chose, hein. Pour rien, tu veux dire. On est payé à des années-lumière du minimum syndical. Et ce mois-ci, il veut même pas payer les heures supplémentaires. Et vous lui en avez parlé? À quoi ça sert? On a bien essayé, mais il veut rien entendre. Oh, pire que ça, il se plaint de notre travail. Comme si on n'en faisait pas assez. Faut pas vous laisser faire. Tu penses? Il est malin, Monsieur Alfredo. Hein? Dès qu'il sent qu'on va lui demander une augmentation, il nous fait une tonne de reproches et... Ben, on peut rien faire. C'est pas les oursins qu'il en a dans les poches, hein? C'est des crabes, avec des pinces comme ça, hein? Voilà. Vous avez essayé de lui faire entendre raison? Ben, on n'a pas l'intention de se laisser faire. On va le coincer tout à l'heure, après le service. Ça ne va pas se passer comme ça, hein? Non, non. Vous avez raison, de toute façon, vous êtes en position de force, non? Monsieur Alfredo sait très bien qu'il ne retrouvera jamais personne comme vous pour cette cafette. C'est vrai. Yes. Salut tout le monde. Salut. 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 Ça va? Ouais, ça va. Une jumelle moyenne, mais moi ça va. Bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, rien. Des problèmes avec Monsieur Alfred. Non, pas non plus. Asseyez-vous. Voilà. Nu. Voilà. Alors, Paul, quand est-ce qu'elle rentre, Annette? Bah, bientôt, je pense. Mais dis-moi, Jérôme, toi, tu viens d'emménager avec Sandra, non? Ouais. Alors, comment ça se passe? C'est cool, sympa. Et vous allez fêter la crémaillère, non? Non, je pense pas, c'est vraiment beaucoup trop petit. Ah bon? Salut tout le monde! Salut. Les filles, un petit jus d'orange, s'il vous plaît. Tout de suite! Mais ça a pas l'air d'aller, qu'est-ce qu'elles ont? Monsieur Alfredo leur fait des misères. Ah, il y a des matins comme ça... On a des surprises. Et qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que ce matin, on a retrouvé Daniel endormi devant notre porte. Oh. Endormi? Il était dans un sale état, complètement malade et complètement déprimé. Attends, malade, qu'est-ce qu'il y a? Bah, à mon avis, il doit pas tellement dormir et pas tellement manger. Il compense en buvant, si tu vois ce que je veux dire. Il déprime à cause de Sandra, tu crois? Bah, évidemment. Il est où, là? Bah, les garçons s'occupent de lui, je crois qu'ils l'ont amené à la salle de sport. La salle de sport? Ah, t'es sourd ou quoi, toi? Salut! Ah, Sandra. Qu'est-ce qui t'amène? Bah, je viens faire du sport. Ah, c'est-à-dire que... Ouais,
le prends pas mal, mais Daniel est là. Et alors, c'est fini entre nous, mais tout va bien, hein. On va pas sauter à la gorge. Oui, mais enfin, sois d'accord avec moi, Anthony, je crois que c'est pas vraiment le moment et... Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il t'a pas oublié, il est toujours malheureux, alors c'est pas bon qu'il te rencontre là, aujourd'hui. Oui, Sandra, il faut que tu comprennes que, bon... Vous voulez que je m'en aille, c'est ça? Oui. Enfin, ne le prends pas comme ça, hein. Je veux dire, c'est pas ta faute, nous on t'en veut pas, c'est... Daniel est un ami et il a vraiment mal et ça sert à rien d'en rajouter, je crois. Ouais, s'il te plaît, Sandra, ça serait... Bon, bah ça va, hein. Je reviendrai. Non mais tu nous en veux pas quand même. Mais non, j'ai compris, ça va. C'est nous, Sandra. Bon, non mais attends, Sandra, c'est pas... Sandra? Hein? Alors, Sandra? Oui. Ah, dis-moi, ce Sandra. Non, mais attendez, c'était elle, là, c'était oui, bien non, attendez. Faire un peu de sport, là, maintenant. Qu'est-ce que t'en penses, un peu de sport? Non, mais pourquoi? Pourquoi? Allez, pourquoi viens, elle est partie? Viens, qu'est-ce que j'ai viens, fait viens, pourquoi viens, elle est partie? Je t'emmène, viens faire un peu de sport. Non, je m'en fiche du sport, là. Pourquoi elle est partie? Pourquoi? Qu'est-ce viens, que j'ai viens, fait viens, non, écoute, Daniel, si elle est partie, c'est à cause de nous. Oui. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, là? On lui a demandé de partir, voilà. C'est ça. Attends, vous avez fait quoi? Bah oui, on pensait que c'était mieux pour toi, mais tu... T'expliques quoi? Non, mais attends, de quoi je me mêle, là? De quoi? Hein? Ah, ça va, calme-toi, oh. Tu te calmes maintenant, Daniel. Non, mais attendez, il faut que je lui parle. Il faut qu'elle comprenne, tu vois? Oui, bon, arrête, s'il te plaît. Écoute, fais-nous confiance. C'est pour toi, c'est pour t'aider qu'on fait ça, d'accord? Mais non, mais je me fous de votre aide, moi. S'il te plaît, Daniel, ok? Non, rendez-moi mes vêtements. Daniel, viens avec moi. Hein? Viens, je te dis, je sais où sont tes vêtements. Non, mais qu'est-ce que tu veux, Justine, là? Tu viens avec moi, je t'emmène, on va aller faire un tour. Où ça? Tu verras. Ouais, non, mais pas tout de suite, là, parce que je dois... Je sais, tu dois retrouver Sandra et lui parler, d'accord? Oui. Tu peux m'accorder quelques minutes avant? Bah oui, si tu veux, ouais, mais je te préviens, tu perds ton temps. Ouais, et ça c'est moi qui décide. Bon, allez, tu vas t'habiller et tu me rejoins ici. Ces vêtements sont où? Ok. Dans le casier. Bon. Bien, Justine, il faudrait que je te parle, s'il te plaît. À propos de quoi? À propos de toi, de moi et de Blanche. Alors tu vois, Anthony, là c'est vraiment pas le moment. Et puis de toute façon, t'as fait ton choix, non? Oui, mais... Bon, bah alors, ouais, mais attends. Y a rien à ajouter. Qu'est-ce que tu lis là, Jérôme? 100 ans de solitude de Garcia Marquez. Hein? Mmh. Ouais, bah moi, il faut pas que je lise ça en ce moment. Hein. Ça, c'est magnifique. Ça te changerait les idées. Mmh. Et toi, Virginie, ça va? Quoi? Ça va? Oui, ça va, oui. Et si je lui offrais des fleurs, tiens. Hein? À qui? Bah, à Annette. Bah oui, je le sais pas, oui, c'est une bonne idée, j'en sais rien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jérôme? Ouais, c'est une excellente idée. Mmh. Dis-moi, Virginie, toi qui la connais bien, tu sais ce qu'elle aime comme genre de fleurs? J'en sais rien, moi, Paul, je suis en train de bosser, là, tu vois pas? Bon, bah d'accord, mais vous le dites si je vous dérange. Bonjour. Tu devais pas envoyer des fleurs, là? Oui, bon, bah ça va, j'ai rien fait de mal. Dis donc, t'as vu les deux jumelles? Ça a pas l'air d'aller très fort, hein. Dis donc, Virginie. Quoi? T'as vu les jumelles? Bah quoi? Bah ça va pas les filles? Monsieur Alfred nous a passé un savon. Il a été odieux, hein? Pourquoi? Bah, on lui a parlé comme on t'avait dit. Bah et alors? Bah on lui a parlé de toutes nos heures et à peine on a voulu parler augmentation, il nous a parlé soustraction. C'est pas vrai. Oh mon Dieu. Mais attendez, c'est pour ça là que vous êtes si nerveuse? Il veut pas nous payer les heures supplémentaires. Ah ouais. Il dit qu'on travaille pas assez vite, qu'on perd du temps, qu'on casse trop de vaisselle. Ça, c'est même pas vrai. Qu'on ne suit même pas bien les verres. Mais regarde, elle en est pas assez souriante avec les clients. Bon, en somme, rien de va, hein? Exactement. D'après lui, on est carrément nus. Oh. Mais non. Attendez, si ça se trouve, il était juste mal luné aujourd'hui, c'est tout. Tout le monde sait que vous êtes les meilleurs. Je ne sais pas, mais il n'a jamais été comme ça, hein? Eh bien alors? Mais qu'est-ce que vous faites, mademoiselle? Ça fait 5 minutes que je suis assise et personne n'est venu prendre ma commande. Pour commencer, vous pourriez peut-être être un petit peu plus aimable. Je ne vous ai pas parlé à vous. Un café, s'il vous plaît. Et pas dans 2 heures, hein? Non, mais qu'est-ce
qu'on y prend celle-là? Elle vient juste d'arriver en plus. On se calme, ok? Laissez tomber, ok? Attendez, je vais m'en occuper. Je vais lui apporter son café, puis avec un peu de chance, je suis maladroit. Et je lui mets sur les genoux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Paul, je pense pas que ce soit une bonne idée. Oui, on y remarque. Mais elle le mériterait bien, hein. Bon, les filles, vous oubliez tout ce que vous a dit monsieur Alfredo. De toute façon, je suis sûre qu'il le pensait pas. Il a dit ça pour pas vous augmenter, puis c'est tout. Ok? Vous êtes les meilleurs. S'il veut pas le reconnaître, on déserte la cafette et puis c'est tout. C'est vrai qu'on est les meilleurs? Mais oui! Les filles, arrêtez de pleurer. Bon allez, ce soir si vous voulez, on vous invite au Nelly's, ok? Ah bah ça c'est une bonne idée, on va tous aller danser. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes gentille. Ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. Je vais aller servir cette mal embouchée avec un grand sourire. The show must go on. Bye. Hein? Voilà. Ah, mais c'était un café que j'avais demandé. Non, puis tu sais, je ne suis pas dupe, hein. Je sais très bien que tout le monde me prend pour un imbécile. Mais ça va pas de dire ça. Mais si. Il est gentil, Daniel, oui. Beau garçon, certes, mais gentil. Bon, arrête de dire des bêtises, tu deviens agaçant, là. Ah bah tu vois, tiens, ouais, la preuve. Personne ne m'aime vraiment. Et puis, la gentillesse, c'est une qualité. Ouais, tu parles, oui. J'ai pas assez de vices, voilà tout. Écoute, Daniel, je te connais depuis longtemps. Moi, je pense que... tu t'enflammes trop vite avec les filles que tu rencontres. Un vrai cœur d'artichaut, c'est ça? Ouais, si tu veux. Pourquoi pas dire un imbécile, c'est pareil? Non, c'est maintenant que tu te conduis comme un imbécile. À sortir comme tu le fais, puis boire. Daniel, tu touches pas à autre chose? Quoi? Tu vois ce que je veux dire? Tu prends pas de drogue? Ah non, je touche pas à ça. Tu me jures? Oui, je te jure. Bon, c'est déjà ça. Faut quand même que t'arrêtes de sortir et puis surtout de boire. Ça finit par détruire sévèrement. Je sais. Mais dis-moi, Justine, j'aimerais te demander quelque chose. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant pour moi? Oh, bah alors là, pour ma part, c'est totalement intéressé. Comment ça? Bah au moins, pendant que je m'inquiète pour toi, je pense pas à tous mes problèmes, tu vois? Non, je suis sûre que c'est pas vrai. Bon, t'as peut-être raison, mais il y a une part de vrai quand même. Non, écoute, Justine... t'es très gentil de t'intéresser comme ça à moi, mais ça changera rien. Je sais très bien que je suis quelqu'un d'immature, mais je suis comme ça, je change pas, j'y peux rien. Mais arrête! Tu veux pas plutôt garder ton énergie pour réagir? Tu vois, là, maintenant, là, j'aimerais partir loin d'ici, pour tout oublier, pour oublier Sandra, tout. Fuir n'a jamais servi à rien. Ouais, quel nulard je peux faire, quand même, parfois, c'est incroyable. Je perds ma copine, et qui est-ce qui me la pique? Mon meilleur ami. Pas mal, ça, non? Pas mal. Jérôme s'en veut beaucoup pour ce qu'il t'a fait. Oui, mais alors là, je peux te dire que c'est trop tard. Hein. Il m'a trahi. Et ça, je peux pas l'oublier, ça. Moi, je pense qu'une amitié comme ça, ça s'efface pas du jour au lendemain. Mmh. Vous pourriez très bien vous retrouver. C'est peut-être à toi de lui laisser une chance. Ouais. Oui, bon, écoute, Justine, t'es très gentille, mais je vais pas t'ennuyer plus longtemps avec mes histoires. Hein. Non, laisse-moi seule, s'il te plaît. Sois gentille. Daniel, je vais te laisser seule, mais je tiens à te dire que tu m'ennuies pas avec tes histoires. Et puis je t'appellerai ce soir chez toi. Chez moi? J'ai plus de chez moi. Quoi? Ben non, je partageais mon appartement avec Sandra, alors maintenant qu'elle est plus là, ben... j'ai plus les moyens pour payer le loyer seul. Hein. Mais attends, mais... tu dors où? Oh ben, je m'arrange, n'importe où. Hein? Mais et tes parents? Ah non, mes parents sont pas au courant, je préfère les laisser en dehors de ça, tu vois. Attends, tu peux pas dormir dehors comme ça? Ah bah là, au moins, je dérange personne. six, deux, six, un, ça faisait longtemps que je t'ai pas battu comme ça. Hein. Oui, bah peut-être que si je joue un petit peu plus souvent, ça se passerait pas comme ça aussi. Hein? Ouais. Pour voir. Salut! Bonjour, jeunes gens. Qu'est-ce que je vous sers? C'est... Bon, c'est je vous laisse réfléchir, hein? Oui, si. Je sais pas, moi. Ah. Bah les filles, qu'est-ce que vous faites là? Oui, c'est qui la fille là-bas? Bon, asseyez-vous. Vas-y, c'est là. Bon, alors. Monsieur Alfredo nous a mis à la porte. Hein? Mais pourquoi? Il paraît qu'on fait plus l'affaire, on travaille trop mal. Enfin, tout le monde sait que c'est faux quand même. Ah oui. Et elle est là depuis quand, la nouvelle? Depuis cet après-midi.
Et comme par hasard, les jumelles se sont fait renvoyer ce soir. Pareil que c'est une amie du patron. De toute façon, on peut rien faire. Non, moi, je suis pas d'accord. Jérôme, qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde sait parfaitement que si cet endroit marche, c'est grâce aux jumelles. Non, on peut pas laisser faire ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est vrai, Jérôme a raison. Je crois qu'on connaît assez de monde ici pour retourner la situation. Ouais, ouais. Tu crois que ça peut marcher? Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, on va pas vous laisser tomber. Allez, on va changer la situation et le patron n'a qu'à s'accrocher. Dites-moi, jeunes gens. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les choses ont changé ici. C'est-à-dire? Je dois faire en sorte que cette affaire devienne enfin rentable. Ah, voyons, c'est pas gagné. Hein. Alors je vous le dis gentiment. Les consommations sont renouvelables désormais. On passe plus de 2 heures assis avec un café, c'est terminé ça. Hein? Donc on consomme ou on s'en va, c'est ça? Eh bien voilà, vous devenez raisonnable. Bah tiens Susan, on s'en va. Oui. Non, les filles. Non, au contraire, non. On va consommer. Mademoiselle, on voudrait 7 glaces. Parfum différent, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez comme parfum? Oui, et puis 5 jus de fruits avec 2 avec glaçons et 3 avec une rondelle de citron, s'il vous plaît. Une carafe d'eau aussi, hein? Voilà, et puis vous n'oubliez pas les pailles. 2 cafés dont 1 serré, s'il vous plaît. Ouais. Bon, je vais chercher de quoi noter. Hein. Et puis vite parce qu'on est pressé. Ah oui, ça s'il vous plaît. Allez. Et tu vois le genre. Ah, les cartes, oui, on s'en va, je les apprends. Hein? Écoutez, c'est gentil, mais... Oh, ça ne servira à rien. Hein. Ça m'étonnerait. Non, c'est vrai, si elle avait été sympathique, je dis pas, mais là, non. Pas de cadeau. Son calvaire commence à peine.